Bonjour à tous et à toutes, chers amis de la presse, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, auditeurs et auditrices de Radio Nationale, et nous saluons le journal L'Union qui est là aujourd'hui pour la 41e édition lundi de la presse. Pour les amis qui font brancher sur les réseaux sociaux, nous rappelons que les lundis de la presse sont espaces côté que les ministres, les directeurs, les secrétaires d'État, les directeurs généraux et les grands commis de l'État, ils ont rendez-vous là tous les lundis, côté que vous venez parler avec la population, du progrès qu'il a fait dans l'institution qu'il a dirigé, hein, selon l'aide de cadrage que le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a fait, et selon la vision du président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse. Maintenant, nous allons parler de tourisme. Nous connaissons que les affaires touristes, c'est affaires tout le monde. Et qui est-ce qui est mieux placé pour parler de ça? C'est la ministre du Tourisme, c'est Mme Jessie Médos, qui pourra parler nous de progrès que l'on fait dans le ministère que l'on a dirigé depuis leur libre office, et ensuite les difficultés qui déjoignent et perspectives. Sans plus tarder, Mme la ministre Jessie Médos. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci encore, DG. Et nous saluons tous les amis de la presse qui là, tout le monde qui a regardé nous dans la télévision, tout le monde qui a attendu nous. Et je vais commencer aujourd'hui, hein, vous me dites que hier soir, sur une radio sur yo, je vais regarder une émission côté où tu as montré des slameurs. Et je ne sais pas, tu as expliqué tout le problème qui est dans le pays, hein, et tu as demandé aux dirigeants ce qu'on a fait pour ça. Et avant que je vienne là, et malheureusement, moi, pas un slameur, mais cependant, m'a commencé par lire pour nous en poésie de Félix Maurice Auleroy, qui relait Pas prendre portrait touriste. Pas prendre portrait touriste. Moi, trop sale. Moi, trop maigre. Pas prendre portrait blanc. Monsieur Isman, pas content. Moi, trop laide. Kodakou, cacassé. Moi trop sale, moi trop noir. Blanc pareil ou pas content, moi trop laide. Ma pété Kodak là. Pas prendre portrait me touriste. Quittez-moi tranquille blanc. Pas prendre portrait bourrique moi touriste. Pas prendre portrait caille là. Caille moi c'est caille paille. Pas prendre portrait joupam. Joupam c'est caille tête. Caille là tout crasé. Allez tirer portrait palais. Allez tirer portrait bicentenaire. Pas prendre portrait jardin, pas gain charrette, pas gain machine, pas gain tracteur. Pas prendre portrait pied bois, touriste. M'pied à terre, rad moins tout chiré. Quoi faire pas habitué à chever, touriste. Pas prendre portrait ou pas comprendre rien dans affaire, touriste. Give me 5 cents et puis al fait chimer en touriste. Poésie ça qui datait de 1953. Soit 65 ans après, montrez-nous qui relation que habituellement haïtien gagne avec touriste. Journée jeudi à la tête ministère là. C'est sûr et certain que nous avons demandé tête nous qui ça que ministre a fait et qui ça que ministre a réalisé après une année que le dirige que il là dans poste. Donc nous connaissons que habituellement et ministère touriste selon mission et attribution Jean DG en fait soutien là et au niveau de l'aide de cadrage, mais en tout, action ministère touriste habituellement, c'est toujours formation, promotion, aménagement, conservation des sites et tout ça, promotion, mais surtout la promotion au niveau du pays. Donc, pour la formation, et nous avons parlé de réalisation au niveau de l'école hôtelière, surtout, côté que nous mettons en place un comité de gestion depuis l'année dernière, et nous mettons aussi un nouveau curriculum qui lui-même répond à toutes normes et à critères et de tout Caraïbes blanc. Et ça, c'est en partenariat avec CTO, Caribbean Tourism Organization, côté que nous mettons en place un curriculum pour tout élève, pour tout le monde qui est dans l'école hôtelière. Nous allons essayer qu'on y a un travail avec toute l'école qui a enseigné hôtellerie avec touristes de façon que tout le monde ait un plan en formation standard. Après ça, et bien sûr, nous travaillons aussi pour l'aménagement de l'école INFOT qui est dans le sud. Qui était noté qu'on est qui était très affecté après cyclone après passage cyclone Mathieu. Donc les travaux d'aménagement ont déjà fait, ont déjà commencé et nous voyons tout que l'école a déjà recommencé à travailler. Quant au niveau de la promotion,
qui c'est une maman travail que le ministère a toujours fait. Et nous toujours continuer à être présents sur la carte touristique et nous participer à plusieurs fois et événements pour améliorer l'image pays, hein, pour qu'on y a que tout le monde capable de connaître que Haïti là, Haïti Paris, et Haïti à prétendre pour tout le monde venir visiter. Donc, de ce fait, depuis l'année dernière, nous connaissons que nous participons à beaucoup à Rabaco en République Dominicaine, à Honduras, Mexique, à Paris, et ITB Berlin récemment, que nous fait Anissa, et Uruguay, et bien sûr, Haïti lui-même était qu'un bé positionné côté que l'y passait de présidence à vice-présidence commission des Amériques au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme. Et semaine prochaine, nous allons aller dans un foire qui est assez et super important, qui est le CRIS, qui est le Caribbean Hotel Resort and Investment Summit. Et sommet ça a réuni tout investisseur, tout le monde qui a l'idée d'investir dans le secteur touristique là, à travers le monde. Donc de ce fait, le ministère touriste non seulement peut aller avec des hôteliers qui ont même quitté sur place là, qui est en Haïti, et qu'on y a pour dans quelle mesure que même tout est capable soit agrandir l'hôtel, soit eux même tout joindre d'autres partenaires, soit pour la gestion et des hôtels et tout ça. Donc au point de vue aussi de promotion, on a continué toujours. Et promotion, pas seulement vous voulez dire promotion de pays à l'extérieur, ça veut dire participation dans le forum et tout le bagage. Promotion, vous voulez dire tout pour être capable d'encourager surtout les organismes d'État et privés aussi, pour eux-mêmes et les entreprises privées aussi, pour être capable d'organiser des forums, des conférences et mondiaux et qu'on y a qui fait en Haïti. De ce fait, au niveau de ministère touriste, l'année dernière, nous avons commencé avec Haïti Tech Summit, AMHE, qui est l'association mondiale et des médecins haïtiens à l'étranger. Nous avons vu comment que tu as en pile conférence avec le sommet qui était réalisé en Haïti. Pour fin année en 2017, nous avons gagné à CPE, nous avons gagné aussi DGI, et pardon, excusez-moi, la conférence internationale des barreaux. Et puis là, Kounia, récemment, semaine dernière, nous avons vu que le ministère de la communication a fait un peu de publicité sur les affaires CREDAF qui était organisé, côté ministère touriste et accompagné la DGI dans tout ça qu'elle a fait. Et bien sûr, au niveau des fêtes champêtres, et moi-même, d'ici semaine prochaine, pour l'inviter nous. Et côté que moi-même, Balchita, avec ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et ministre et secrétaire d'État à la Sécurité publique, la Direction générale de la Police nationale, ainsi que le ministre de la Santé. Pour quelle raison? Parce que faut que nous, d'ici semaine prochaine, nous avons gagné un plan d'action pour nous et tout touriste et tout étranger au même temps qui venir, et surtout diaspora qui fait déplacement au niveau des fêtes champêtres, qui venir pour être en peur d'estival. Et bien sûr, nous pas jamais cesser avec les campagnes d'éducteur. Ça veut dire que nous gagnons des tour opérateurs et des agences de voyage qui étaient venus. Et ils ont même qui étaient venus pour être capables de vendre des destinations, être capables de mieux attirer les gens qui peuvent venir dans le pays. Donc nous devons recevoir des tour opérateurs allemands, français, russes, dominicains. Et récemment encore, nous avons accueilli des Chinois. Et bien sûr, au niveau de la promotion aussi, nous tous Carwell et d'ailleurs mois prochain tout nous tous pour le brancher et au niveau de mondial là, et nous tous connaît que Jason Derulo qui lui-même que c'est un chanteur et international mais d'origine haïtienne lui-même qui devine filmer et lui-même qui fait promotion que vous regardez que vidéo ça il y a plus de 18 millions monde qui well et qui ça ouais citadel là il devine filmer il t'a insisté sur ça parce que lui était rentré en contact avec moi il t'a dit moi ça que tu as besoin de filmer pour montrer Haïti tiens bon OK d'accord puis bel héritage que nous gagnons tout qui c'est la citadel du roi Christophe donc on y a moins d'il venir et vous regardez que dans toute vidéo hein, que tout le monde a regardé tout bel héritage qui gagne nous-mêmes en Haïti. Ensuite, et au niveau de promotion en tout que nous avons continué au niveau du secteur touristique et Haïti présent dans le journal, dans le magazine Air France là, qui vient de fêter 100 ans et ensuite après ça qu'on y a tout bientôt nous parlons tout le petit futé côté que qui sont guides à travers le monde qui distribué et qui en vente dans toutes les librairies à travers les pays francophones surtout. Donc là présence ça et présence nous-mêmes tout au niveau du secteur touristique là côté nous pas jamais quitter campagne là qui relève les affaires touristes, affaires tout le monde. Je dis en plus que nous tous journalistes qui regardent et tout le monde qui regarde la télévision et tout, nous tous nous connaissons, nous avons conscience que les affaires touristes supposées affaires tout le monde dans le pays.
Et au niveau de la sécurité, nous avons parlé aussi de nouvelle promotion Polito, qui a près de 50 policiers encore qui intègrent l'école. Hein. Donc, nous-mêmes, en réalité, nous voulons gagner un objectif, nous avons essayé d'atteindre un objectif de près de 500 policiers. Et parce que pour le présent moment, nous présents seulement au niveau de la côte des Arcadins, de Pétionville, et aussi dans le nord, mais cependant, on veut augmenter le nombre de policiers qui pourraient être sécurité. Parce que première question que tout le monde toujours a posée en Haïti, et c'est ça qui fait que on toujours a dit non, pas venir en Haïti, pas faire ceci, c'est toujours le problème sécuritaire. Et ce qui fait que nous pas fait promotion pour lui, parce que au niveau de Global Peace Index, qui sortit un rapport en 2017, il a classé Haïti parmi les destinations les plus sûres au niveau de la Caraïbe. Nous avons remporté la palme. Donc, on y a, et au niveau de Caraïbe et Amérique centrale, nous sortit en 7e position. Donc, il y a un pile bagage que moi-même, je m'a demandé tout journaliste qui l'a, tout le monde capable de faire promotion, tout, pour qu'on puisse comprendre que qui ça, parce que Haïti, pas ça y dit en vraiment, et seul monde qui est capable de véhiculer l'idée, ça c'est nous-mêmes qui l'a, c'est à travers voix, à travers communication. Quant à l'aménagement et conservation des sites, bon, ça nous projeté fait. Et pour période là, nous prenons le travail tout au niveau de l'aménagement du centre historique de la ville du Cap-Haïtien, parce que nous connaissons qu'en 2020, et ville Cap-Haïtien va fêter 350 ans. Donc, nous avons prévu avec les banques mondiales et aussi au niveau du ministère du tourisme, au niveau du ministère de la culture, du ministère de l'intérieur et tout ça, bon ouais, ministère de l'environnement aussi, comment nous sommes capables de mieux organiser l'événement ça. Et aussi, pas oublier que Citadelle dans tout, lui-même tout, il prend 200 ans depuis que Christophe lui-même l'idée tué tête lui. Donc, grand pile projet que nous-mêmes nous avons dit là, et moi, je connais que la première question que quand même nous toujours pour le poser, moi, c'est toujours au niveau des statistiques. Donc, de ce fait, moi, j'étais toujours venu avec chiffres tout pour me capable de dire non que, bien sûr, qu'il y a une augmentation au niveau des arrivées touristiques. Nous passons de 2015 à 2017, nous passons de 1 242 426 en 2016 et en 2017 nous à 1 480 799. Mais au point de vue des investissements au niveau du ministère du tourisme, nous avons appuyé au niveau de la commission interministérielle pour les investissements, nous avons appuyé près de 8 projets d'investissement touristique, dont 6 dans l'hébergement et 2 dans le transport touristique. Alors, dans l'hébergement, on a Extase Hotel, Valparaiso, Annabelle, Coin du Village, Mano Adriana, Calico Beach. Et dans le transport touristique, nous avons Pluragent, Sixte et Logistique. Alors, ces 8 projets, en réalité, totalisent 35 251 092 dollars américains. Et ces six projets d'hôtels devaient avoir la construction de 254 chambres. Les projets touristiques vont créer près de 450 emplois directs et 900 emplois indirects. Ok. Et bien sûr, tout ça là prouve nous, je dis que oui, que gagner travail qu'a fait au niveau du secteur touristique. Mais cependant, question pour demander nous, pour qui ça? Que je dis que Haïti qui a toute potentialité touristique ça yo, pour qui ça que Haïti pas qu'à recevoir entre 6 à 10 millions de touristes. Question simple, après une année nous réaliser un travail qui est super important qui relie un diagnostic institutionnel. Diagnostic là permet nous voir plusieurs bagages. Premier bagage que le fait nous comprendre au niveau du ministère touriste, c'est que le ministère n'est pas outillé pour répondre à toutes missions et attributions. Premier bah, simple que m'a dit non. Par exemple, au niveau des directions départementales, le ministère touriste présent seulement dans 3 départements, dont le nord, le sud et le sud-est. Bien sûr, on considère l'ouest, mais en réalité, il n'y a pas de direction départementale au niveau de l'ouest. Donc, de ce fait, ministère l'entour
Ou regardez que il y a un pile de travail qui était réalisé, et pourtant, ou regardez que il y a certains travaux d'aménagement qui étaient faits, et pourtant, tout net tombé en désuétude. Qu'on y a là, le ministère touriste, pas jamais équipé pour le gagner en direction d'aménagement des sites touristiques. Et ça, lui-même, bon, automatiquement que Noël, nous te voyons encore un week-end, que moi-même avec le Premier ministre, le ministre des Haïtiens et étrangers, le directeur général Ispan, côté nous allons visiter certains sites, et côté que nous-mêmes avons proposé tout, de façon que le ministère de tourisme, je vous dis, est capable de remplir Wally, vrai Wally. Et, mais, ça qui est plus important, et c'est pour cette ça que Kounia m'a retourné, à poésie que je lis pour nous, avant que je commence à parler. Poésie, ça le fait nous comprendre. Il fait nous comprendre d'abord que on est nous toutes nous sortis dans une société esclavagiste, côté que nous-mêmes nous pas de droit à loisir. Parce que là, on a parlé de tourisme journée aujourd'hui, nous c'est pour nous faire référence à un grand bagage qui est important, qui est le loisir. Et nous-mêmes, à l'heure actuelle, c'est très peu de monde qui est capable de dire journée aujourd'hui que vous parlez de loisir, vous parlez de plein plaisir. Donc, ministère tourisme, nous-mêmes, notre travail, je vous dis, pour non seulement pas garder pour ça qui était dit dans la poésie, parce que ça qui dit dans la poésie en réalité, il explique clairement que si on crée une bagarre qui n'est pas gagnée au niveau du pays, c'est un plan d'aménagement touristique. Expliquez-nous. Plan d'aménagement touristique, allons dire que on ville, normalement, ancienne ville, nous, comment faire pour créer, c'est toujours au bord de la mer, parce que à l'époque, à l'époque coloniale, nous tous nous avons besoin, pas nous-mêmes, mais comme si c'était plus trafic maritime qui était gagné. Et je dis, un aménagement touristique inclut comment que résidents, monde qui vivent dans la zone, sont capables de divertir, sont capables d'amuser, et au même tout, et monde qui viennent tout, pas monde dans l'autre région et dans l'autre pays tout, qui viennent visiter, après dans quel cadre, dans quelles conditions que ils vivent. Je dis, nous tous nous connaissons que y a une caravane de changement qui est lancée. Et nous, qui travaille que le président fait, parce que la travaille pour améliorer le cadre avec condition de la vie de tout le peuple haïtien, hein? Parce que nous, la construit route, la baille de l'eau, la met de l'eau dans la caille, la fait électricité venir. Donc, de ce fait, nous-mêmes, nous faisons lobbying de façon que qu'il y ait vraiment un aménagement touristique qui fait en réalité de pays. Hein? Et ensuite, ça nous finit par réaliser tout. Au point de vue pays en tout, au niveau du ministère du tourisme, nous venons réaliser que si un document qui n'a pas jamais existé, c'est un bail qui était l'inventaire. Inventaire, l'a tout créé un répertoire de tout site touristique. Parce que non seulement on a fait inventaire là, et ça m'a parlé de lien plusieurs fois, et d'ici mois, mai, nous allons lancer un inventaire des sites d'infrastructures touristiques. Pour quelle raison? Parce que si on n'a pas repéré, nous ne pouvons pas mettre en valeur. Si on ne peut pas mettre en valeur, nous ne pouvons pas capable de dire, ok, d'accord, mon Dieu, pour venir dans le pays, hein, pour venir visiter, pour venir garder, pour qui ça gagne. Et troisième priorité, non tout, au niveau du secteur touristique, c'est tout ça qui est capable de faire pour nous capable au moins faire pays. Hein, venir attirer plus de monde, pour monde capable, pour monde capable vivre là-dedans, capable de sentir au mieux. Et qu'on y a tout, après ça, tout pour être capable au moins inviter l'autre monde venir tout. Donc, nous travaillons pour ça et nous proposer des lois que nous allons déposer la Chambre et avant fin et année législative là, de façon que vous êtes capable de passer. Parce que ça peut arriver. Il y a encore ma affaire hier soir avant que je vienne là, j'ai fait des recherches et m'a regardé pour moi que au niveau du secteur touristique, si secteur là bien organisé, nous sommes capables de créer près de 50 emplois et 50 carrières au niveau du secteur touristique. Il y a des gens qui parlent comme ça, il y a des gens qui disent ok d'accord, on va faire hôtellerie et tourisme, de qui on va parler, de qui on va faire. Mais en réalité, il y a des possibilités. Je vais expliquer l'autre chiffre qui est important. Il y a 79 pays sous la terre qui font de tourisme leur moteur de développement. Pour qui ça, je veux dire qu'en Haïti, nous pas gagné même bagaille ça pour qui ça que touriste même pas pour nous en priorité. Et en plusieurs fois que me t'ai parlé, que ce soit avec le président, que ce soit avec le premier ministre, moi expliquer clairement, moi dire comme ça que secteur touristique là, c'est un secteur qui est porteur au niveau de l'économie nationale. Et quel que soit investissement que nous fait au niveau de secteur touristique là, les retombées n'a pas senti dans moins de 2 ans.
Donc, nous voyons que comment que l'autre pays au même yo agit, comment que l'autre pays au même yo pense à secteur touristique là. Et c'est pas secteur touristique là, nous avons pris un exemple. Et c'est vrai que il y a des fois que le monde qui dit que non pas supposé prendre des exemples comme ça, mais il faut viser grand et il faut viser le meilleur. États-Unis par exemple. États-Unis, on regarde que États-Unis lui-même n'est toujours fait un plan d'aménagement pour toute ville là. Pour tout côté, il y a tout état yo, yo même yo déjà un plan d'aménagement. Et bon bail que tout le monde toujours a dit, il y a des Américains qui eux même qui va jamais déplacer pour quitter États-Unis. Pour quelle raison? Un point exemple banal. Le nombre de parcs d'attractions que vous avez eux-mêmes en eux-mêmes la caillou, comment que vous avez bien vivre, comment que vous avez bien faire, parce que vous n'avez pas besoin de déplacer. On va regarder un parc, vous avez près de 59 parcs dans le pays qui sont même classés. Vous avez un parc qui, l'année dernière seulement, recevoir 11 millions de visiteurs. Donc ça veut dire que vous recevez assez nombre de monde que nous-mêmes nous gagnons dans le pays. Hein? Donc ça veut dire que gain en pile bagaille que nous-mêmes nous t'a supposé réfléchir à lui et ce travail ça au niveau du secteur touristique qui est plus important nous-mêmes que nous-mêmes nous fait pendant toute année qui passait hein, et nous-mêmes nous proposer des solutions, nous proposer des stratégies de façon que vraiment que secteur touristique là vraiment rempli rôle lui, que vraiment que ça fait touriste, que ça fait tout le monde et que tout pays en cas comprendre que nous tous nous capables vivre de secteur touristique ça. Bien l'autre question, je connais que je vais ouvrir pour les questions, mais je dis, et avant que je finisse, je vais vous montrer un bagage qui est très important. D'ailleurs, bonjour tout le monde, Kalili. Ça fait touriste, ça fait tout le monde. Haïti, on met main dans la caravane de changement. Merci. Bonjour, moi c'est David Johnson-Fort, je travaille pour Radio Télévision Caraïbes. Madame Menon, c'est où sauter l'exemple en poésie de Félix Maurice Oléwa pour illustrer le discours que vous développez au matin. Mm-hmm. Peut-être que dans un de vue comme gouvernant, et moi comme journaliste observateur, non pas web agaillé au même genre, mais l'interprétation que vous faites de poésie, il paraît pour moi un peu galvauder l'esprit que Félix Maurice Oléwa développé fait sauter. Parce que dans le sens moins, c'est plutôt voir un paysan qui adresse avec un touriste pour porter revendication, situation pâle, état Kaili. Et dans quelle situation la travaille, champ, sans charrette, etc., j'en le dis dans la poésie, qui montrait que l'hypoco prêt comme haïtien pour voir l'image ça à l'avant à l'étranger. Donc, en réalité, qui pour moi, sous de l'autre paramètre, pas changé. Ça fait ma vie poser deux questions par rapport à ce que dit là. Première, c'est pour demander où. D'abord, est-ce qu'on est au courant que le pays a ça l'empile Et si on est au courant de ça, dans quel niveau malpropriété pays nous y est là. Chaque matin, peut-être que Kapaweli, mais moi-même qui peut-être monter camionnette, motocyclette, moi chaque jour, et peut-être un peu trop. Que tout côté dans le pays a sale. Dans quel niveau de d'insalubrité ça a affecté démarche, travail de promotion que nous avons fait pour le pays a, pour nous dire que nous avons venu là-dedans. Parce que vous savez, pour mon chiffre là, vous dites que de 2015, vous avez gagné 1 million combien. Mais l'arrivée, 3 ans plus tard, vous avez toujours 1 million, vous avez dépassé, vous avez 2 millions. Donc ça veut dire pour moi, vous avez co-avancé pendant 3 ans sur combien de monde qui a présenté une visite à Haïti. Je me demande si ce n'est pas niveau Fatra, haute Fatra, ça qui peut-être fait touristes pas envie venir. On parle tout d'aménagement de sites. Moi-même, c'est mon Léogan. Longtemps, dès qu'on fait bousquer, monter tête mon aller dans la grotte en Akaona. Est-ce que le ministère touriste est conscient ou bien connaît que gagner de sites touristiques Léogan, par exemple? Parce que, moi, on présence étatique dans le niveau site, ça y est, alors que. Ils ont daté de très très longtemps. Merci encore et bien content pour toutes les questions que vous posez mieux et bien content tout que texte hein. Et interprétation qu'on fait de texte hein, c'est exactement nous rejoindre à même problème là. Problème que paysan parlait en là que le dit pas prendre photo Kaeli, pas prendre photo charrette li, pas prendre photo côté lié côté la vive, c'est bien ça. Et jeudi, hein, ça fait que nous là, dans condition ça, c'est parce que exactement pas de gens qui ont un plan d'aménagement
au niveau du territoire. Parce que si nous avons un plan d'aménagement, nous avons connu le jour et jeudi, et même question, ça répond à deuxième volet de la question. Parce que l'aménagement, ça lié, son planification que lié. Son planification, ou dire ok, d'accord, ou à fond zoning, allons dire que vous prenez pour Prince, que vous connaissez que voilà les rues qui sont là, voilà les attractions qui existent au niveau de la ville de Port-au-Prince. Maintenant, ce qui sera fait au niveau de la zone, où seront placés les hôtels, où est-ce qu'on va placer les eaux usées, où est-ce qu'on va placer aussi les dépotoirs, et où est-ce qu'on va placer aussi tout ce qu'il y a au niveau de la ville, que ce soit au niveau attractif et tout ça. Donc, de ce fait, si pas gain aménagement, et un aménagement touristique, je dis, non pas qu'à dire qu'on sait que nous allons continuer dans l'état que nous avons parce que nous avons toutes possibilités et nous avons toute richesse. Quoi, on est portant du littoral pour passer par le monde urbain, rural et allant jusqu'à la montagne, quand il y a des richesses que nous-mêmes nous avons, pas de en face. Pas de monde qui a fait nos peurs et surtout dans la région nous. Donc, si je dis que nous pas chita, que nous disons ok, d'accord, c'est tête ensemble ça que nous avons gagner. C'est chita ensemble. Chita ensemble pour nous définir priorité non. Pour nous dire demain matin que mais comment pays y est, mais comment que ville y est, comment nous allons faire pour aménager non, quel sera l'habitat type de l'haïtien, ok. Et puis maintenant que demain matin que qu'est-ce qui va, parce que au niveau du secteur touristique, qu'est-ce qu'il y a dans tout pays au monde, yo, parce que faut prendre en compte de monde qui vivent dans zone non, de monde qui viennent pour venir amuser, donc il faut qu'on en symbiose de toute bagarre ça. Donc, ou pas qu'à demain matin, on dit qu'on s'est ok, d'accord, que mon appel vient, il va venir visiter, allons dire, et Groenland, qu'on va parler. Et puis, au niveau environnement Groenland, pas qu'il y a rien qui est aménagé au niveau de Groenland, tout. Pas qu'il y a rien qui dit ok, d'accord, que demain matin, que là, que y a un restaurant, là, il y a un bloc sanitaire, ici un minimum. Que troisièmement, tout que si il y a un monde qui est blessé pendant la patrie dans Groenland, qui est centre de santé qui est prêt. Donc, tout ça, c'est pas qu'il pour mettre sous papier, pour organiser. Et ou mande si oui que moi qu'on garde et tout problème qui gagne au niveau de pays parce que toute saleté au niveau merci et qui gagne dans pays oui nous qu'on garde tout parce que c'est pas parce que nous dans vite ça que nous pas ouais et ça son bagage que chaque jour que chaque côté m'a passé et que moi ouais nous parler de ça et au niveau de du conseil des ministres encore récemment il y a pas longtemps la semaine dernière j'ai dit que mais pourquoi on n'a pas instauré une taxe écologique. Pour quelles raisons taxes écologiques là? Nous faisons une loi qui interdit le styrofoam dans le pays. Hein? Pourtant, le styrofoam, moi, je vois des vidéos qui sont passées. Nous voyons qui sont venus. Nous voyons tout ça qui est plein de styrofoam dans le pays. Hein? Et plein de monde qui a produit des bouteilles plastiques, des sachets plastiques. C'est moi qui dis, non, ça, c'est ça, nous voyons. Mais là, nous partons dedans, comme si nous voyagions à travers le pays. Hein? Nous montons en bateau. Moi-même, je vais aller à la Gonave. Notre jour dernier, il faut aller à la Gonave, dans un petit bateau. Nous, on est au moins arrêté au moins 6 fois pour nous faire ça, pour nous retirer le sachet plastique qui a entré dans mon fleur, dans moteur et bateau. Hein? Est-ce que vous comprenez que ça, lui-même, son bagage que chaque jour, on a réfléchi à lui, c'est chaque jour, on a pensé à lui. Et nous, ça, pour Fatra, nous tous nous connaissons, conscience sans et premier geste sans supposé sortir de nous-mêmes avant tout. Parce que c'est nous-mêmes qui posons tête nous. Là, je mange un bagage. Est-ce que je vais jeter ça chez la rue? Est-ce que je vais jeter ça et styrofoam dans la rue comme ça? Donc, moi, je crois que c'est une action que tout le monde prend. Parce que si nous voulons. Pardon? Oui, mais de toute évidence. Et nous sommes en 2018. Le pays existe depuis 1804. Les gouvernements se sont succédés. Et nous ne trouvons pas. Nous avons seulement un an au pouvoir. Et il faut vraiment qu'on puisse laisser un autre pays d'ici les 5 ans. Nous ne pouvons pas garder derrière pour nous dire que okay, d'accord que par exemple que touristes étaient belles, c'était l'année florissante. Nous supposons garder de l'avant et pour nous dire aujourd'hui qui ça nous va quitter pour les générations futures, qui ça nous va quitter pour tout le monde qui l'a eu. Bonjour. Oui. Non, pas M. Garde Saint-Louis pour Paris. Oui. Oui. Énumérez pour nous, Madame la Ministre, contraintes que touristes gagnent. Donc, vous venez nous parler d'insalubrité, pendant ce temps, tout gagne insécurité, tout. Nous connaissons que, tout à l'heure, vous parlez de citadelle. Nous connaissons que citadelle gagne difficulté et pour le monde rentrer là-dedans.
C'est vrai que vous parlez de vidéo qui chute la donne, mais difficulté que l'artiste en fait gagner pour entrer la donne, tout ne pas parler de lui. Donc, énumérez pour nous plusieurs problèmes qui gagnent à part de l'insalubrité. Et après ça, et puis projet et d'hôtel là, tout, pour qui est-ce qu'il va le financer? Est-ce que tu parlais de projets, de plusieurs hôtels que la bail d'accompagnement, c'est ça? Ah, pas qui, est-ce que c'est pas pour les trésors publics ou bien est-ce que c'est comme qu'il y a pas nous juste pour faire les quoi? Non, et là nous parlons de commission interministérielle d'investissement, au contraire, moi je trouvais que malgré la publicité que nous-mêmes avons fait à travers les stations, nous trouvais que vraiment il y a de quel monde qui par contre que qui travaille que le ministère touriste a fait. Ministère touriste là pour accompagner tout le monde qui veut investir dans le secteur touristique là. Et la direction des investissements et direction des investissements li accompagner tout le monde qui au même tavlé investi. Donc ça nous fait pour nous capable bénéficier des avantages législatifs, nous analyser dossier yo, nous montrer au A plus B que par exemple que si son projet d'aménagement en agrandissement qui est supposé fait au niveau de hôtel yo, donc là conseil capable bénéficier des avantages législatifs allant de 5, 10 jusqu'à 15 ans. Donc et moi puis quoi que c'est une réponse que moi même capable ba ou c'est pas que l'état pral ba yo cob lan nous montrer que tout investissement qui pral fait nous gain 6 hôtels qui en réalité joignent et accord favorable façon que pral bénéficier de avantage incitatif ça yo montant total de investissement que moun ça pral fait en prend manoir Adriana lui même qui même pral gain 32 chambres d'hôtel et tout l'autre tout qui même qui pral investi et Calico lui même tout cap ces jeunes des partenaires tant au niveau international que national. Donc de ce fait mon ça investissement total que montre que on va faire dans secteur là équivaut à près de 35 millions de dollars américains. C'est pas ministère touriste qui appelle, c'est vrai maximum citoyen tant qu'on moi-même qui a même décidé et quoi dans secteur touristique là, yo quoi dans pays qui fait que investir là-dedans. Tout à l'heure mentionné un bagage qui est super important. Et au niveau de la citadelle, parce que moi puis quoi que c'est un site que nous gagnons qui normalement c'est lui-même qui en avant d'ailleurs dans toute télévision dans tout côté nous et c'est citadelle là que nous montrer, mais je dis on va poser une question moi-même tout et combien quoi vous payez normalement pour aller dans le parking à l'aéroport, est-ce qu'on répond moi? Ok, si vous allez dans le parking aéroport, vous payez 50 gouttes. Ok, 50 gouttes pour le parking machine. Pour aller, vous allez visiter, vous allez chercher un monde et puis après ça, vous déplacer. Je ne dis pas, 50 gouttes, c'est quoi pour nous payer pour aller visiter qualité qu'aucun chaîne monument que Henri Christophe qui était pour nous. Dans tout pays au monde, il n'est pas acceptable. Dans tout pays au monde. Parce que les moins qu'un dollar américain, et quel que soit comme quota collecté, les papes jamais permettent, je ne veux dire, pour non seulement conserver, pour préserver, pour faire travaux d'aménagement, ni pour demain, je ne veux dire, que si tu as restauré, pour t'acquitter, pour au moins pour assurer que le durer encore 200 ans. Donc, si n'a pas les de tourisme, et que nous prenons conscience, parce que le diagnostic l'a montré nous clairement, pour qui ça que le ministère touriste, je ne veux dire, il n'y a pas qu'à répondre à mission et attribution. C'est obligatoire. Et ça, c'est un bagage qui est nécessaire pour nous créer une direction nationale des sites touristiques, de la gestion des sites touristiques. Parce que, à 50 gouttes, fais-moi confiance, un étranger paye lui-même 5 dollars américains. Pas qu'il n'y a aucun pays au monde que nous allons visiter, aucun site qui fait partie du patrimoine pour payer moins qu'un dollar américain. Que ce soit local, que ce soit international. Donc, si n'a parlé et de toute évidence, ou parlé tout de citadelle dans tout, et m'a profité de dire que le travail diagnostique nous permet de faire un paquet de bagailles. Et secteur dans tout, c'est vrai que nous parlons de insalubrité qui gagne, de toutes les choses qui étaient faites au niveau de citadelle, nan, mais je dis en tout, il faut que nous au moins mettions au pas de la technologie. Parce que ou gen doit chita Boston, allons dire, et pour décider de visiter citadelle. C'est pas l'or vini, hein, parce que quand y a technologie à montrer, donc personne n'a pas temps, tout le monde besoin d'aller rapide. C'est pas l'or vini sous place pour faire une ligne, pour camper, pour payer 50 goud ou bien 5 dollars américains pour aller visiter. Ou t'es pas un billet en ligne. Pour qui ça le pourquoi exister? Pour qui ça le pourquoi là?
pour ce que ministère là exactement, pourquoi qu'il y a une direction qui cache ça seulement. Dans l'autre direction que m'oubliez parler de Lila tout à l'heure, il y a un pile dans voisin nous qui ont même à recevoir près de 6 millions de touristes au niveau touristes croisiéristes au niveau de la caillou de pays. Mais pour qui ça au niveau du ministère du tourisme? Pour qui ça nous va jamais une direction nationale qui s'occupe des croisières? Nous avons un seul côté qui a pu se voir croiser dans le pays, il est là-bas dit. Alors que nous avons 4 îles adjacentes qui sont à côté de nous, plus 50 que nous vivons sans îles, qui sont capables de se voir. Et nous avons gardé, malheureusement, que nous n'avons pas gagné des projections. Côté nous avons montré nous, qui quantité de bateaux de croisière qui a passé dans la rade de Port-au-Prince, dans la rade du Nord, dans la rade de la Tortue. Donc, pour qui ça que je vous dis, ça ne va pas exister au niveau du secteur touristique. Parce qu'il y a tendance, c'est vrai tout, on dit le tout, il y a tendance à affaiblir l'État. Je ne veux dire, nous n'avons pas qu'à parler d'affaiblissement, au contraire, nous voulons quitter un État plus fort, un État à côté que oui, c'est vrai que grand pile monde, parce que nous avons 83 000 fonctionnaires déjà, oui, nous avons quitté plus de monde dans l'État qui peut travailler, mais il faut que le travail soit consistant. Il faut que le travail que nous faisons tout permette que l'État qui a fait investissement dans le secteur touristique soit capable de rapporter comme tout. Capable gain cop qui rentre dans poche et tout, et seul gens capable faire, c'est vrai capable gain plus monde qui travaille dans l'État, mais il faut gain plus monde formé et tout. Bonjour madame la ministre, bonjour tout le monde, Diego Charles pour monsieur Vincent pour Vision 2000. Et vous parlez de effort que nous faisons en termes de visite tout ça. Mais nous t'a même qu'on est dans notre premier pour préciser pour nous capacité d'accueil pays à part hein? Et puis dans ça que pour avec insalubrité à montrer qu'on est conscient de situation. Ou plus plaigner comme chef, même Jacques Population, ou pas dit plutôt qui ça nous entend faire. Certainement, il y a des ministères sectoriels qui concernent l'environnement, TPTC. Qui ça nous même nous entend faire pour gérer cette situation ça? Parce que certainement, il peut aller en faveur du secteur touristique. Ça nous vient réaliser tout. Ou dit que je plaigne même avec tout le monde, mais avant tout, moi, je suis haïtien. C'est vrai que. Fadra, c'est pour mes bagages qui dérangent nous. Et ce n'est pas plein, il y en a plein parce que moi, je dis que quel que soit le conseil de gouvernement ou des ministres que nous gagnons, c'est le premier sujet qui mettait sous table. Bien sûr, nous connaissons qu'au niveau des collectivités territoriales, l'année dernière, et ce n'est pas tout côté dans le pays qui a un problème, Fadra. Au contraire, je dis, pendant que nous avons fait une conférence de presse, je vais vous annoncer que le concours est ouvert, ça tout. Concours ouvert pour l'autre ville capable de gagner prime dans tout. L'année dernière, je ne sais pas si nous sommes tous ça. L'année dernière, nous avons une plaque à ville de Fort Liberté. Côté que leur nous allons dans campagne et sensibilisation, nous allons dans Fort Liberté, leur arrivée, nous ville tellement propre, nous disons non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que les magistrats on prime pour, au moins pour l'autre, pour fouetter orgueil l'autre meilleur tout. Pour fouetter orgueil l'autre monde qui vit dans l'autre côté, en tout, dans le pays. En tout. Et au niveau de diagnostic, en tout, ça nous réalise, je vais retourner sur lui encore, le problème Fadra, nous capable de gérer dans l'autre gens. Et l'autre gens que nous avons géré dans tout, et au niveau du secteur touristique, c'est aussi d'avoir des plans de développement pour les îles adjacentes. Parce que un plan d'aménagement touristique d'abord et un plan de développement de ces îles adjacentes. Parce que l'île adjacente, il n'y a pas fait face à tout problème que nous-mêmes n'avons pas besoin dans les grandes villes. Puisque pas de gain aménagement et pas de gain planification au niveau des grandes villes du pays. Donc de ce fait que gain tout pas grâce à eux au niveau des grandes villes. Donc maintenant, au niveau des îles adjacentes, nous avons présenté déjà 4 projets au président de la République de façon à ce que vraiment qu'on puisse continuer, qu'on puisse avancer et au moins décentraliser Haïti même, décentraliser la République de Port-au-Prince. Et maintenant, avec ces projets-là, il est capable au moins aider les gens et aider plus de monde pour capable venir dans la zone, et soit en créant des parcs naturels ou bien en créant des parcs d'attraction. Et puis maintenant, à ce moment-là, que les gens puissent venir et visiter ces îlots. Capacité d'accueil. Bon, nous sommes déjà 11 millions d'Haïtiens. OK? Et maintenant, l'accueil, comme tu dis, et on peut avoir, par exemple, au niveau de je vais prendre un exemple banal, et au niveau de la Dominique, OK? Qui dit même qui c'est en île qui mesurait exactement même grosseur avec la Gonave. Il y a près de 400 000 et habitants. Par semaine, ils reçoivent
12 bateaux touristes minimum. Donc 12 bateaux touristes à 8000 personnes qui viennent par bateau. Donc vous déjà imaginez la capacité que vous êtes même capable de gagner pour recevoir les gens dans le pays. Donc tout ça, c'est une planification qui gagne. Toute bagaille dans cette planification, c'est ça que nous parlons de chita fait. Ok. Eh bien, en termes de. Ah, ok. Les chambres d'hôtel. Les chambres d'hôtel aujourd'hui, bon, nous, ouais, qui investissent, qui a fait au niveau du secteur touristique, là, nous pas baisser les bras, parce que là, qu'on y a, nous, à près de 10 000 chambres. Mais en réalité, il faut que nous augmenter capacité d'accueil, non. Augmenter quantité de monde qui est capable d'investir dans le secteur touristique. Là. Parce que pour me dire sincèrement, le secteur touristique, là, peut-être que non pas qu'on well, peut-être que ça m'a parlé, hein, peut-être que mal avant-garde de ça que m'a dit, non, de génération, ça a lui-même qui a venu. C'est seul secteur, parce que ça se réfère au loisir. Loisir, ouais, son bagage que, quel que soit pays, quel que soit monde qui travaille, ouvrez pas son petit temps, et même le noté esclave tout. Nous sommes esclaves. Pour qui ça nous aime nos filles dans le tourné marron? Une raison bien simple. C'est parce que nous avons le loisir, nous avons la peine en tête. Nous quittons le côté blanc hier, côté blanc fait nous passer misère. Et puis nous arrivons, nous allons dans la grotte. Est-ce que vous parlez tout à l'heure de grotte? Nous allons dans la grotte, nous allons dans la rivière, nous allons dans la cascade. Nous bien baignons, nous mangeons paisiblement et puis nous retournons. Et c'est comme ça. Que nous-mêmes au monde. Parce que sans loisir, sans divertissement, comment on va le faire? Recréer pour recréer. Comment on va le faire ça? Donc, je dis, hein, c'est tout le travail ça que le ministère touriste nous-mêmes n'a fait. Et nous souhaitons que tout le monde comprenne que pour qui ça que les affaires touristes supposées, les affaires tout le monde, pour qui ça que nous-mêmes nous supposons travailler, mettre tête ensemble, pour nous mettre dans la caravane changement, pour nous-mêmes tout le monde qui connaît, je dis, hein, que nous supposons quitter on l'autre Haïti pour génération future, pour tout le monde qui a regardé, pour tout le monde qui a regardé à travers le monde, et pour diaspora tout qui est fier de pays, pour qu'il connaît que demain matin, que vous côté, que vous avez pour venir là. Merci. Merci, Madame la Ministre. Les affaires touristes, les affaires tout le monde. C'est thème ça que je dis à la ministre touriste et devine porter information pour tous les journalistes qui sont présents. Nous disons tout merci. Pas oublier, toujours été branché sur le site ministère www.communication.gouv.ht et puis toutes les réseaux sociaux à thème ça ici à Calvin Cadet. Merci tout le monde. Bonne semaine et à bientôt pour l'autre conférence.